Eh bien bonjour à tous, c'est Ensuite74410 et on se retrouve aujourd'hui sur SimCity 5 pour continuer notre série de construction de villes sur notre fabuleuse région que vous pouvez voir ici, où il ne reste plus que la dernière ville à développer. C'est ce que l'on est en train de faire et c'est ce que l'on va continuer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi j'en profite pour vous dire que je suis un petit peu malade, donc si j'ai une voix bizarre ou si j'ai un peu... vous sentez que j'ai un peu le nez bouché, machin, c'est normal, j'ai un petit rhume. Bon, ça c'est des choses qui arrivent, mais écoutez, je suis en forme tout de même pour vous tourner cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Et puis je suis dans une période de ma vie où je suis vraiment très très heureux. Et donc profitez-en, parce que je pense que vous n'allez jamais avoir de si bonnes vidéos, des vidéos de si bonne qualité qu'en ce moment. Puisque je suis à la veille de mon départ à Paris, je suis un peu tout fou. Je suis juste super content d'y aller, en plus avec des potes. Ça va être génial, vraiment génial. D'ailleurs, salut, je les salue s'ils me regardent tout de suite maintenant là. Donc, on continue avec notre ville de Basset, qui vous voyez à 4 millions de Simflouz et 22 000 habitants, ce qui est vraiment exceptionnel, qui est déjà une jolie ville, hein. Elle est très très jolie d'ailleurs. J'apprécie vraiment ce centre-ville. Je l'ai contemplé un petit peu avant de commencer la vidéo. Je me suis dit, waouh, je me souviens plus que c'était aussi beau tout ça. Et bien si, c'est aussi beau. Vous m'en direz des nouvelles. Et vous voyez qu'on a des gratte-ciels qui se construisent et tout. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Je suis vraiment super content de cette ville. Franchement, je ne pouvais pas avoir de meilleurs remerciements que d'avoir une ville aussi jolie. Alors, par quoi allons-nous continuer? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. C'est normal, j'ai l'impression que mon jeu lag. Da fuck. Bon, tout allait bien jusqu'à ce que ça arrive. Oh là là, c'est écouté, hein. Je vais voir si je règle mes paramètres, si ça va mieux. Peut-être. Alors, on va tout mettre en moyen, hein. Faible. Voilà, si on l'applique, est-ce que ça ira mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux. Donc je regarde l'heure, ok, j'ai commencé à 7h, donc ça fait que je dois m'arrêter. Ok, c'est bon, c'est clair dans ma tête. Donc, je suis avec personne aujourd'hui, hein. Vous avez remarqué, faut dire que je tourne ça un petit peu un mardi après-midi, tout le monde travaille, et moi je suis devant SimCity à jouer avec vous. Ça me fait... c'est génial, j'ai de la chance. Donc, niveau éducation, tout le monde est scolarisé, et ça, c'est génial. Alors ensuite, niveau police, on a un petit crime commis par jour, ce qui est tout à fait raisonnable. Niveau de la santé, aucun mort, c'est parfait. Niveau incendie, un petit incendie qui va pas tarder à être éteint, donc écoutez, c'est bon. Et niveau poubelle, on est moins bon, mais écoutez, je pense que ça va venir. On va accélérer le temps, voilà. Alors, oups, je vais faire ça. Ce qui est dingue avec cette ville, c'est quand même, je vois plus trop quoi faire, en fait. Ce que je peux faire, c'est augmenter les routes, là. Même un petit pont en arche. Bah écoutez, tant qu'à faire, on va tout augmenter les routes, hein. On ne va pas s'en priver. De toute façon, il faut bien que nos bâtiments évoluent un jour, hein. Donc il faudra le faire à un moment ou à un autre. Et c'est maintenant qu'on va le faire, comme ça on n'aura plus à s'en soucier par la suite. Hop. Je réfléchis, hein, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on va bien pouvoir faire après. En fait, j'en sais rien. C'est assez frustrant pour de dire que je sais absolument pas ce qu'on va faire.
Je pense qu'on va peut-être refaire une petite route là sur le bord là. Parce que c'est ce que je voulais faire depuis un petit moment quand même. On va la faire partir de là. Non, pas comme ça. Faut pas oublier que l'aéroport, je veux le faire, je voudrais peut-être l'améliorer un peu plus tard. Alors là, vous voyez, on va enlever un peu de route. Hop, c'est dingue, hein, mon jeu. J'ai l'impression qu'en ce moment, Fraps fait bugger tout mon ordi. Mais alors absolument tout. Faudra vraiment que je commence à me poser la question. Faut que je commence à me poser la question. Peut-être d'où ça peut venir dans Fraps. Peut-être que je... Non, non, c'est même pas... Ouais. Je vois, franchement, j'ai strictement aucune idée d'où ça peut venir. Écoutez. Je m'en occuperai. C'est pas le moment de s'en occuper là maintenant. Pour le moment, je tourne avec vous. C'est la seule chose que je désire. Alors, vous voyez, on a fait la petite route. Là, c'est pour gagner un petit peu plus de place. Vous voyez qu'en plus, elle est bien empruntée. Ça évite aux gens de faire tout le tour et de passer seulement par là. Voilà, je pense que ça va créer, ça va enlever quelques bouchons. Et ben là, on n'a pas amélioré les routes, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais regarder aussi après le nombre de touristes que l'on a. Hop. Voilà. Je crois qu'on a tout amélioré là, c'est bon. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. C'est peut-être... non, ça sert à rien. Je voulais peut-être faire un pont là, mais sur feu, ça sert strictement à rien. Que faire d'autre? Il y a des gens qui se plaignent pour les pompiers là, vous voyez. Bon, ça a l'air d'être bon, ok. Mais écoutez, c'est parfait. On est à 26 000 habitants. C'est malgré tout un chiffre honorable. Et je pense que c'est... On va peut-être se lancer dans les casinos. Hein. Je vais juste mettre un petit peu de commerce. Voilà. Parfait tout ça. Ouais, ouais, on va se lancer dans les casinos. Je vais juste regarder le nombre de touristes que l'on a dans la ville. Non. Ouais, on en a pas énormément. Peut-être parce que c'est le début de la journée. Ouais, allez, on va dire ça. Donc casino, c'est pas là casino, c'est là. Qu'est-ce que l'on va placer pour commencer? On va commencer par un casino coquet. On verra par la suite si ça marche. On rajoutera des choses. Voilà. Ça va se remplir tout doucement. On va regarder au niveau des arrêts de bus. Voilà. Et les arrêts de bus scolaires. Voilà. Parfaitement parfait. Je sais pas d'où ça vient cette phrase, c'est une pub, je crois. Bon. Eh bien écoutez, on va attendre qu'il soit rentable, hein, s'il le devient, c'est un petit peu ma peur du moment. Mais bon, je reste optimiste. Ça va à 20 minutes. Faut qu'il arrête de râler, lui. Ah, on a vraiment des bâtiments français de partout, c'est super agréable. Super agréable, vraiment. C'est génial. C'est vraiment une très très belle ville. Je ne cesserai jamais de le dire. Ouais. Donc on se lance dans le jeu. On se lance dans le jeu. J'aurais peut-être dû commencer par un petit établissement de jeu, mais je me suis dit non, allez, on va lancer un petit peu le pari.
Je suis en train de penser s'il nous va nous falloir peut-être des trams. Ça me semble pas mal les trams comme idée. Pour notre ville, là, il y a pas mal d'avenues à certains endroits dans les grands axes. Et ben, on va se lancer dans les trams. Oh là, je sais plus ce que je fais là. Trame de densité élevée, voilà. Et ici également. Veuillez m'excuser, mon jeu rame. Franchement, faudrait vraiment que je résoudre ce problème. Je vois vraiment pas peut-être ma carte vidéo qu'il faut que je mette à jour. Enfin, écoutez, hop, on a oublié cette petite rue. Ouais, c'est bizarre. Tout simplement étrange. Je peux rien vous dire de plus. Hop, là. Et bien entendu, là vers la tour Eiffel. Jusqu'ici. Voilà. Waouh, les rames. C'est impressionnant. Eh ben veuillez m'excuser, hein, je veux pas vous dire autre chose. J'essaierai de résoudre ce problème quand j'en aurai l'occasion déjà, parce que je suis pas trop chez moi en ce moment. Voilà. C'est pas mal. Ma foi. Ouais, écoutez, là on est bien. On est bien, je suis content. Je suis content. Puis de toute façon cet épisode est déjà bien entamé. Dépôt de tram, c'est vrai. Vers la zone. Waouh, c'est grave. Bon bah écoutez, ça va être à côté de l'arc de triomphe, hein, je suis désolé. Ça rentre pile poil, on pouvait pas caser ça mieux. Voilà. Hop, on place des arrêts un petit peu partout. Hop, là, il va falloir que je réaméliore un petit coup, là aussi. Ah, j'ai oublié plein de trucs, hein. J'ai remarqué quand même que quand on fait des vidéos, on devient vraiment des gros... Enfin, quand je fais une vidéo, je deviens vraiment un gros failure. Parce qu'après, au montage, je me rends compte de toutes les conneries que je fais. C'est assez impressionnant. Enfin, j'ai dit conneries, là, quand même. Bon, on va se calmer, hein. On va se calmer. Enfin, bon. Je fais... beaucoup de fails. Falloir que je commence. Enfin, je commence à avoir l'entraînement, mais. Ça ne suffit pas encore. Hein. Faut que ça se perfectionne. Et ben voilà. C'est bien là. Qu'est-ce que c'est que ces lags? Je descends à. À 6 FPS. Enfin bon. Pompier de l'an, non, pas vrai. Zéro incendie, je suis pas d'accord. Eh bien écoutez, nous on va se laisser là. Je vais rajouter quelques trams. Peut-être deux garages, allez. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura donc ouvert notre premier siège de jeu. Enfin, pas siège de jeu. Notre premier casino, qui est un casino coquet, qui d'ailleurs. Accueil du monde, ça c'est pas mal. Il y a pas mal de monde qui y va, donc la prochaine fois on va faire des on va lui mettre des extensions et tout. On s'est occupé des trams, on a amélioré toutes nos routes, donc c'est un épisode en fait bien rempli. J'avais peur que je n'arrive pas à le remplir, mais bon, on a fait pas mal de choses au final, donc je suis assez content. J'espère que cette série vous plaît toujours autant. N'hésitez pas, si vous avez loupé les épisodes précédents, à aller les visionner. Parce que franchement, je suis vraiment très heureux d'avoir pu faire une aussi belle région avec vous. Je suis tout simplement comblé d'avoir pu partager ces moments avec vous. Donc n'hésitez pas à aller les regarder.
Sinon, à part vous demander de liker pour me soutenir, de mettre un petit commentaire si vous aimez, ça fait toujours très très plaisir. Même si c'est pour rien dire, hein, dire ouais, c'est trop bien tes vidéos, machin. Enfin, bon, même si c'est vrai, c'est pas bien, je m'ennuie. Tu devrais faire ça comme ça. Enfin, voilà. Des commentaires qui sont là pour m'améliorer. Et on va améliorer d'ailleurs notre hôtel de ville, enfin, notre mairie. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye, chers viewers. Allez, à plus tout le monde.